Non. Alors salut, maintenant on est de dos. On vous montre notre ami le gorille que Van Dagen a disséqué pour nous et pour l'humanité. Et les fessiers, un truc marrant. Regardez jusqu'où descendent les fessiers des gorilles. Le fessier du gorille descend jusqu'au genou. Et il est penché en avant. Bon, il n'est pas fait pour se redresser, il a tout le temps la jambe quasiment fléchie. Et là, c'est le quadriceps. Là, la bosse, c'est le quadriceps, mais proportionnellement très petit. Hein. Mais ce qui l'empêche pas d'avoir des ischios Proportionnellement, il a des ischios, mais c'est pas monstrueux. Bon, ils descendent bien bas. Mais c'est surtout ce qui est impressionnant, c'est la forme des mollets, quoi. Comme on voit, regardez. Gastrocnémie externe, interne, et alors surtout solaire. Et bien, c'est surtout en dessous. C'est tous les muscles, regardez. Tous les autres muscles, les fléchisseurs. Extenseurs, ça, ils sont énormes. Vous voyez, là, on le voit, regarde. Là, tu vois les jumeaux solaires, ils sont pas énormes. Le solaire sont très bas, mais c'est surtout les muscles du dessous qui forment la masse. Il saisit avec ses pieds. Bon. Pour les amateurs. C'est quoi, ça? C'est l'anus. Ah, voilà. Les trapèzes, monstrueux. Les dorsaux qui descendent jusqu'en bas. À la cagrine. Voilà, vous avez une aponévrose, on ne voit pas l'infraépineux, il est masqué par une aponévrose, c'est pour qu'il y ait des plans de glissement, donc ça permet de glisser. Bon, un grand rond moyennement développé quand même, non, énorme, un dorsaux énorme, et des deltoïdes postérieurs fabuleux. Brachial, et les muscles. Le biceps au-dessus, le triceps. Et l'avant-bras. Un avant-bras énorme. Mais en gros, il est fait comme nous. Les principales différences, ce sont les proportions. Le fessier qui descend assez bas, mais c'est surtout les extrémités. Et un développement extrêmement important des avant-bras. Et des membres supérieurs. Parce qu'il grimpe avec ses membres supérieurs. Il se déplace quand même.